À tous. Donc voilà, là je fais vraiment ce live pour vous par rapport à ce que vous voulez voir. Je vais juste faire 2-3 modifs en vous attendant sur mon visage parce que là j'ai du monde qui arrive et puis j'ai des croûtes. Donc voilà, je vais juste me mettre 2-3 choses sur le visage. Je vous attends. J'ai vraiment besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez voir? Et, bah, sinon je vais faire. Deux, trois petits trucs, voilà. Je vais essayer mes nouveaux produits, voilà. Donc, je vais mettre le correcteur, là, sur mon bouton, et là aussi, là. Alors, le correcteur, donc vraiment, il en faut vraiment. Et là, j'en ai vraiment. Je vais en enlever. Vraiment, une toute petite lichette, hein. J'en ai trop mis, vous voyez? Trop, trop mis. Vous voyez, plus rien. Alors, plus rien, plus rien, plus rien. Et je vais mettre en haut aussi là parce que j'ai un tout petit bouton ici. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, c'est pareil. Il n'y a plus rien, ça y est. Tout caché. Ah, ça m'apprendra à m'enlever les croûtes. Faites-moi un coucou pour ceux qui sont là. Et surtout, j'attends vraiment vos propositions. Que voulez-vous que je mette? J'attends, j'attends. Je voulais faire quoi? Loulouloulou, ça, non. J'ai pas besoin. Je vais mettre mon mascara. Je voulais essayer. Le nouveau avec les fibres, parce que je ne l'ai jamais essayé avec vous. Donc je vais faire ça. Je vous attends, je vous attends. Donc, celui avec les fibres. Hein, celui sans les fibres, il est en haut. Je reviens. Je l'ai oublié. J'ai une petite fibre, mais moi. Me revoilà. Ah. Allez, alors, dis-moi qui est là, qui est là. Donc voilà, alors, les pics, celui qui peut se mettre tout seul, mais qui est vraiment top, de chez top. J'utilise pratiquement plus que celui-là, mais pour les grandes occasions, je mets aussi celui-là, donc le 3D avec les fibres. Je vous remonte les fibres. Voilà, les petites fibres. Vous voyez le rouge à lèvres qui est là, là? C'est le cul de 2 mois que j'ai essayé hier soir avec vous. Et j'ai beau frotter, il ne s'enlève pas. Donc, voilà. Allez, c'est parti, le mascara. Tac. Je prépare mon pinceau avec la petite fibre et c'est parti. Alors. Toujours la première couche de mascara. Puis les fibres directement. Donc là, je mets bien le épique avec les fibres. D'accord? Et je fais la même chose. Ou est-ce que je fais qu'un côté? Je vais faire un côté fibré et un côté pas fibre. Même si j'ai du monde à la maison, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ma maman. Allez, dites-moi qui me regarde, que je sache. Mascara. Oh, autant des fois, il se met hyper bien. Des fois, j'ai pas
Pas la main. Vous voyez déjà les cils, quoi, par rapport à tout à l'heure comme j'étais. Voilà, c'est quand même bien, bien, bien différent. Si vous voyez bien. Donc là. Donc moi j'en mets en bas, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Donc là, c'est sec, je vais pouvoir passer ma deuxième couche, donc du coup pour fixer les fibres. On voit bien que c'est quand même vachement plus fourni de ce côté-ci plutôt que de ce côté-ci. Pour la longueur, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, vachement plus fourni là que là. C'est top. Pour les soirées, c'est encore mieux quoi, avec les fibres que sans les fibres. J'avoue que j'avais jamais essayé avec celui-ci. J'avais jamais pris le temps d'essayer. Tac. Donc voilà pour le mascara. Bon, bah, vu que je n'ai pas de questions venant de vous, du coup, je vais essayer quand même. Je voulais essayer une nouveauté que j'ai. Je vais attendre que mes yeux y sèchent. Je voulais montrer parce que du coup, j'ai le nouveau liner liquide. Alors, je voulais montrer par rapport à l'ancien comment il était. Alors, ne me dites pas que je l'ai laissé là-haut. Oublié. J'ai tellement de choses que je sais plus où je mets tout. Bon, je vais devoir aller faire un aller-retour. Et du coup, hop, je reviens. Ah, je l'ai. Alors, du coup, l'ancien qui est en fait comme un feutre. Donc, hop. C'est comme un feutre. Je sais pas si vous voyez bien la mine. Oui, là on voit mieux, je pense. On voit mieux. Comme un feutre. Alors que le nouveau. Il est comme ceci, le nouveau. En fait, ça fait plus. Forcément, j'ai fait un gros pâté. C'est pas du tout la même mine. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est beaucoup plus souple qu'un pinceau. J'en ai mis partout sur moi, forcément. C'est pas grave, j'en ai mis après. Alors, moi, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre de ça. Je mets pas. J'en ai mis partout. Alors, du coup, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus facile à poser. Parce que du coup, la mine, elle est plus fluide. C'est plus facile.
Et le noir est... Là, ça... Là, c'est vrai que c'est bien bien noir. J'ai pas besoin d'en mettre plusieurs couches. Juste que moi, je sais pas le mettre. Je le mets très mal. Voilà. Ah, c'est bien bien noir, quoi. Franchement, celui-là est bien. Et beaucoup mieux que l'autre. Pour moi, selon ma préférence. Après, voilà, c'est chacun ses préférences. Celui-là est vraiment bien, celui-là. Tac. Donc, il y a aussi ce... Il y a plusieurs couleurs aussi pour celui-ci. Tac. Donc, voilà. Je voulais montrer. Je vais attendre que ça sèche quand même. Attends, le mascara, il est juste fou, 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 quoi. Fou. Tac, je vais attendre ça. Je voulais faire mes sourcils. Je voulais vous montrer parce que du coup, j'ai la palette. Donc, je vais vraiment l'essayer. Alors, moi, j'ai vraiment. Je ne fais pas ça d'habitude. Je ne fais pas ça. Alors, tous les pinceaux, je prends celui qu'il faut, c'est celui-ci. Donc du coup, alors, il y a la couleur, les deux couleurs qui sont là, en sachant qu'il y en a trois palettes différentes. Moi, j'ai pris celle lumineuse pour les brunettes. Donc, il y a deux couleurs différentes, plus le gel pour tenir, l'illuminateur et là, une base. Donc, tac. Alors, moi, ma couleur, ce serait plus peut-être la foncée. Allez, essayons. Du coup, je sais vraiment pas. Déjà, en un coup, alors là, ça couvre de folie, quoi. Vous voyez la différence? Alors, je sais, je fais en haut. C'est fou. C'est juste fou. On voit bien que ça a bien, bien, bien caché mon trou, quoi. C'est un truc de fou. Alors, moi, bon, ils ont repoussé depuis, mais pour tous ceux qui ont du mal à avoir des cils, regardez ça. C'est fou, non? Ça couvre, hein, fou. Hop, je vais faire l'autre quand même, parce que sinon je vais être ridicule. Vous voyez, si je fais un... juste un trait. La marque, ça fait. Bon, du coup, bah, moi j'ai fait ça très, très, pas très proprement, parce que moi j'aime pas trop que... Il y a trop de démarcation, donc je vais juste faire un petit peu à l'intérieur. Voilà. Il est fou celui-là. C'est vraiment différent par rapport au crayon à poser. C'est vraiment beaucoup plus facile à poser, quoi. Bon, du coup, pour tous ceux qui ont l'habitude de ne pas mordre avec beaucoup de cils. Et donc là, je vais mettre le gel fixateur. La texture, elle est juste incroyable, regardez. Vais essayer sur ma main. En fait, c'est voilà, c'est vraiment transparent, transparent. On ne voit rien. Ça va vraiment juste venir fixer. Sans rien enlever, bien sûr. C'est top ça. Donc si vous voulez essayer, il n'y a pas de souci du coup. Maintenant que je l'ai. Ça change, hein. Ça change le regard tout de suite quand on fait des sourcils. Hop. Je vais mettre l'illuminateur du coup. Ah, mon illuminateur se met selon les personnes à plusieurs endroits. Donc.
Moi, j'aime bien ici. Je suis pas sûre que ça se voit très très bien à la caméra, en fait. Se voit pas vraiment là, à la vidéo. Ça brille, on voit que ça brille un peu plus ici. Bon bah voilà, du coup la palette. Franchement, elle est vraiment bien. On voit bien quoi, les deux sourcils qui sont faits. Vraiment joli. Ça, et je voulais essayer avec vous du coup en plus. Le splurge métallique, couleur ardoise. C'était dans un trio et maintenant ils vendent à l'unité. Alors, vous voyez bien la couleur? Là, on la voit bien la couleur. Elle ressort bleue en fait. Allons-y. Donc, toujours ma texture crème que j'adore tellement. Faites-moi un coucou pour ceux qui sont là. Il est vraiment très très foncé. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre du foncé. La couleur est vraiment jolie parce qu'en fait, ça fait des reflets bleus. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, je vais essayer d'en mettre un peu moins pour voir. Alors, toujours avec le pinceau aussi, du coup. Qui est fait pour. Les poils du pinceau sont vraiment faits pour la texture crème. Voilà, là j'ai un endroit où j'en ai plus et un endroit où j'en ai moins. Donc selon ce que vous aimez, on va essayer d'aller un petit peu plus soleil pour voir si on voit mieux. Alors est-ce qu'on voit mieux? Voilà, ça c'est couleur ardoise, elle est métallique. Alors je pense qu'on ne voit pas hyper bien la vidéo, mais la couleur est vraiment jolie. Avec des reflets bleus. Bon, moi j'aime le bleu, donc du coup j'adore ça. Mais... Donc je vais juste vous le mettre sur ma main pour essayer de que ça se voit un peu mieux. On va voir, on va essayer. Ma main est remplie. Hop. Si on voit bien sur ma main, alors du coup on va essayer à la caméra, hein. On va essayer de voir. On voit pas super bien. Donc vraiment, faut le voir en vrai, quoi. Voilà. Ah, là on voit bien. Voilà. Donc c'est pas comme les couleurs brillantes qui faisaient vraiment paillettes. Celui-là, non, il est mat, mais il est métallique. Voilà, ça fait couleur métallique, ça ressort un peu, ça brille un peu, mais il n'y a pas de paillettes. Pour ceux qui ça dérange, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mettre des paillettes la journée. Voilà, j'ai déjà eu cette réflexion-là. Pour certains, hein. Chacun aime ce qu'il aime, mais voilà. Donc ça c'était mes petites nouveautés. Donc je rappelle que j'ai le sérum donc pour vous aider à faire pousser et remplir vos cils, les épaissir, tout ça vraiment oui, super bien. Donc mascara épique et toujours le 3D avec les fibres qui sont vraiment hyper top. Qu'est-ce que je vais essayer? Tiens, je vais mettre un Kudo du mois, tiens. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, Kudo ou
pour faire les bisous, le lip bonbon. Non. Je vais mettre le cuillot. J'aime bien le cuillot. Alors, du coup, là, j'hésite entre le plus clair ou celui-ci. Moi, celui-ci ne me va pas. Sur moi, je n'aime pas. Après, la couleur est très jolie, mais pas sur moi. Donc, je vais mettre le plus clair parce que mes yeux sont ultra foncés. Donc, du coup, je vais mettre le plus clair. Donc, toujours comme je vous ai montré hier. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit toujours très bien. C'est de la poudre. C'est de la poudre. Celui-là, c'est le plus clair. Voilà. Comme je disais hier à une copine, la particularité de celui-là par rapport à l'encre à lèvres qui est liquide, c'est que du coup, l'encre à lèvres, elle va imprégner dans les lèvres. Donc du coup, ceux qui ont des crevasses ou des peaux mortes, ça va forcément se voir. Celui-ci va un peu plus cacher. Voilà, la texture, elle est juste excellente parce qu'on a l'impression de ne rien avoir du tout sur les lèvres. C'est à poser, il est hyper agréable. Le flacon, il est tout petit, donc à transporter, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Voilà, pas beaucoup de place. Voilà, et moi j'adore. Hop, allez. Oh, il est beau celui-là. Alors, voilà, comme je disais hier, celui-là peut plus servir pour la journée, le plus foncé, pour le soir. À la limite, ça peut être comme ça. Alors, toutes celles qui l'avaient vu sur les photos, est-ce que celles qui avaient des couleurs préférées que j'avais mis, est-ce que ça intéresse de l'essayer? Voilà, donc je suis vraiment disponible pour que vous puissiez l'essayer. Et il faut vraiment se dépêcher parce que c'est en stock limité. Et que vu l'innovation et la qualité du produit, ça va encore partir extrêmement vite. Il est mat, il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Alors, oh, j'adore cette couleur. Alors, hier, j'ai fait le test. Il est beau, il est mat, il est magnifique. Celui-là est très très beau. Hier, j'ai fait le test avec vous. Je vais le refaire une deuxième fois. Un petit mouchoir. Et on va enlever l'excédent. Toujours autant sur les lèvres. Il est beau, hein? C'est vraiment super beau, j'adore moi. Il est vraiment trop beau. Faites-moi un coucou pour ceux qui arrivent. Alors je remonte, c'est juste le Kudo. Voilà, donc les trois produits qui sont là, les trois rouges à lèvres qui sont là en poudre avec les trois couleurs sur la boîte. Il est vraiment, vraiment super joli, quoi. Enfin, j'adore, quoi. J'adore. Je voulais voir si j'en remets. Est-ce que ça fonce? Non, ça change absolument rien. Donc voilà, comme quoi, faut vraiment pas en mettre forcément beaucoup. C'est très, très joli.
Voilà. Allez, je relève l'excédent. Vraiment trop joli, quoi. Et voilà, regardez. Alors ça, c'est pas top quand même. Génial, génial. Alors je vais essayer de vous mettre juste plus en... Avec... Ouais. Il est beau. Très très beau. Franchement, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Après avoir... À voir comment on peut faire, s'il y en a qu'un qui vous plaît. Bon, ça, on peut essayer de voir si... on peut essayer de voir. Il y a tout qui est possible. Mais en tout cas, les trois couleurs sont vraiment, vraiment super jolies. Je vais vous montrer juste mon démaquillant. C'est vraiment top. Donc, je change de marque parce que là, c'est It Works. J'adore cette marque. Donc, juste mouiller avant. Je mouille mon petit coton. Et du coup, je mets vraiment un tout petit peu du produit dessus. Alors, le tube, il est très très grand. Donc, ça va durer extrêmement longtemps. Et du coup, j'enlève, je vais enlever ce que j'ai sur ma main. Hop. Franchement, ce démaquillant nettoyant, il est excellent. Et ouais, l'avocat, il pousse, hein. Il est bon, mon petit avocat. Je suis contente de mon avocat. Voilà. Alors, franchement, c'est nettoyant peau, démaquillant en même temps. Et vraiment, il est super bien, quoi. Moi, j'adore. Et maintenant, je me sers plus que de celui-là. Les yeux ne piquent plus. Ça s'enlève pratiquement tout de suite. Même le ski est waterproof. Donc... Et le pot, franchement, il dure super, super longtemps. Donc, même ceux qui ont la peau fragile, voilà, c'est... En plus, c'est que des produits naturels. Donc, voilà, celui-là, moi, je l'adore. Et c'est mon quotidien beauté. Voilà, voilà, voilà. Et bien, je crois que je vous ai fait le tour. La prochaine fois, du coup, je vous montrerai l'encre à lèvres Shy. Qui est rose, rose, rose. Voilà. Bon, bah, du coup, si vous voulez une vidéo avec d'autres choses que vous voulez revoir, il n'y a pas de souci, faites-moi un signe. Voilà, je suis super contente. Donc là, j'ai utilisé, je me répète, là, j'ai utilisé la palette à sourcils. Donc, vraiment, avec tout, tout, tout ce qu'il y a besoin à l'intérieur, les deux couleurs pour les cils. Le fixateur, on voit bien, c'est du gel en fait, qui va fixer l'illuminateur et une base. Donc vraiment, elle est complète. Vraiment, c'est complet, complet. Le splurge couleur ardoise métallique. Là, du coup, j'ai mis... Bah, du coup, ça se voit pas parce que j'ai mis du foncé. J'ai mis le mascara épique. Donc, le dernier qui est sorti. Là, il n'y a que celui-ci. Et puis là, il y a le épique avec les fibres. Alors, on voit vraiment bien. Alors, je ne sais pas ce que ça rend à la vidéo. Mais on voit vraiment bien. Ils sont bien épaissis et un peu plus rallongés. J'adore. Ouais, Natacha, c'est celui que tu as, le Shy. Mais du coup, je me suis acheté. Parce que j'avais pas de rose. Il y en a plein qui aiment le rose. Donc, du coup, je me suis acheté. Voilà, je répète toujours le cul d'eau sur mes lèvres. Celui-là, il... Oh là là. Il... Voilà. C'est comme si je n'avais rien sur les lèvres. À la fin, il est sans transfert quand j'enlève l'excédent. Franchement, je pense qu'il faut vraiment l'essayer. Voilà, pensez, pensez à la Saint-Valentin, les gars. Ça peut être une petite idée, quoi. C'est tout. Et je pense que ça fera forcément plaisir à votre compagne. Et la prochaine fois, j'essaierai celui-là. J'essaierai celui-là, donc c'est le nouveau poudre pour les yeux. Donc moi j'ai pris rose et corail. Sur la boîte, ça fait rosé poudré. Celui-là ? Bah c'est celui-là, c'est le tien, c'est le Shy.
le chai. Ouais, peut-être que sur la boîte ça rend pas exactement pareil, mais ouais, c'est celui-là, c'est le même que toi. Voilà. Bah écoutez, je vous dis bon dimanche. Moi, j'ai ma galette à manger. J'ai fait une grosse galette. Ah bah non, j'ai oublié de vous parler, de vous dire, voilà, pour mes yeux, j'ai remis le nouveau eyeliner liquide. Voilà, qui est vraiment complètement différent de l'ancien. Donc la pointe est différente. Donc pour ceux qui aiment plus feutre, il y a l'ancien. Et ceux qui aiment plus fluide, alors je ne saurais même pas expliquer comment il est l'embout. Il est plus fluide, c'est comme un petit fil alors, au bout. Il se pose hyper bien. Donc regardez, je l'ai mis en tout début. Forcément, ça se voit pas trop là, mais je l'ai mis au tout début. Et moi qui ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles à en mettre parce que j'en mets pas beaucoup et j'ai pas l'habitude. Franchement, il se met super bien. Il se met super bien. Voilà. Ah oui, le chai, oui, il est très beau. Après, il faut aimer le rose, hein, forcément. Mais de toute façon, dans toutes mes encres à lèvres, je les adore. Voilà. Je vous dis très, très bon dimanche. À très bientôt. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses, si vous voulez tester des choses, si vous voulez que je vous les montre en vidéo, je suis disponible. Alors surtout, n'hésitez pas, un message, un petit truc sur ma page ou sur mon compte, n'importe, un message privé ou sur... Voilà. Voilà. Vous savez comment me joindre, donc il n'y a pas de souci. Faites-le et je ferai ce que vous avez envie. Je vous fais plein de bisous. Toujours sans transfert. Et puis, bon après-midi. Ciao!